Good morning, everyone. Good afternoon, good evening. This is our second Q&A session. Donc, c'est notre deuxième session de questions-réponses. Q&A, c'est questions and answers. Alors, Nicole, how are you today? I'm good. How are you? I'm pretty good. How are you guys? Pretty good also. Perfect. Alors, on va avoir trois questions. Des sessions libres, c'est-à-dire que je ne vais pas tout noter sur le tableau interactif. Donc, encore une fois, au niveau de la compréhension, ça ne sera pas forcément à 100% pour tout le monde, mais ce n'est pas grave parce que ça représente la réalité. On peut vous faire un dialogue. Good morning, how are you? I'm fine, bla bla bla. Mais ça, c'est bien pour commencer. Maintenant, on va aller au niveau supérieur tranquillement. OK, on va pas faire que des vidéos comme ça. Hein. J'en mettrai de temps en temps sur la chaîne. Donc, encore une fois, c'est normal si vous ne comprenez pas tout. Ne prenez pas peur, ne soyez pas frustré, ne vous démotivez pas. Au contraire, prenez un maximum de ce que vous entendez, de ce que vous voyez au tableau. Notez tout ça dans votre cahier d'apprentissage et vous pouvez revoir les vidéos autant de fois que vous voulez sur YouTube. Donc, profitez-en. D'ailleurs, en parlant de profiter, j'en profite, Nicole, pour te remercier. Thank you for being here. Of course, thank you for having me. You're welcome. Alors, évidemment, on a pris vos questions, sinon ça n'aurait pas grand intérêt. Donc, question de François, Alain et Françoise. Alors, question de François, est-ce que tu peux la lire, Nicole? Mais avant, j'ai oublié. Si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et juste au-dessus de Nicole, là-haut, vous pouvez récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre en anglais. Il arrive directement dans votre boîte email. Il suffit de renseigner votre email et vous avez 37 pages illustrées et concrètes pour vous remettre à l'anglais. So. Et si vous avez des questions, des commentaires, vous mettez ça juste en dessous, bien évidemment. Première question, Nicole, is... How long have you been teaching? Donc, depuis combien de temps tu enseignes? Et là, vous voyez qu'on utilise un présent simple en français. Ne vous laissez pas avoir par ce présent en français qui pourrait vous induire en erreur. Pourquoi? Parce que vous pourriez l'employer pour poser le même temps, pour poser la même question en anglais. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en anglais, on s'intéresse au fait de savoir si l'action a commencé dans le passé, continue jusque dans le présent et continue encore dans le présent. Dans ce cas-là, quand on a une action, vous le savez, à cheval entre le passé et le présent et en plus qui continue dans le présent, non seulement elle a une conséquence, mais en plus elle continue dans le présent, on va utiliser un present perfect. Et pourquoi un present perfect progressive? Parce que ça continue encore au moment où on parle. Nicole is still teaching. Nicole enseigne encore. Alors, on va noter ta réponse, Nicole. How long have you been teaching? Okay. I have been teaching for 18 years. Mm-hmm. Donc, tu enseignes depuis 18 ans. Et on peut mettre à la fois une forme contractée, apostrophe double. Ou à la fois une forme non contractée. This is exactly the same, OK? Yep. Quand c'est très formel, lettre à l'ambassadeur, peut-être que vous n'en faites pas tous les jours, en tout cas, c'est mon cas, mettez une lettre de motivation, par exemple, mettez les formes non contractées. Mais si vous dites « I've been » au lieu de « I have been », c'est très bien, OK? And don't forget to put Ben, there you go, perfect. Yep, thank you very much. C'était pour voir si vous étiez concentrés, chers amis, tout simplement. Vous imaginez bien, je ne fais aucune erreur, ça n'arrive jamais. OK, so you've been teaching for 18 years. Yes, sir. OK, donc là, le but du jeu, c'est que vous preniez des automatismes au niveau de la grammaire, tout simplement. Alors, second question is... What surprised you when you visited France? I don't know why I'm laughing. That's fine, of course. Donc, qu'est-ce qui t'a surpris quand tu as visité la France? Mm-hmm. Alors,
Nous t'écoutons, Nicole. I was surprised by how friendly the French are. In de l'amabilité des Français. Mm-hmm. Friendly, c'est aimable. Et on ne prononce pas le i, hein. C'est pas un friand. Friendly, yeah. Non. A friend. Friend, yeah. Friendly. OK. Et the French. The French, vous mettez bien la majuscule, bien évidemment. Yes. In the US, we think they're rude, but they're not. So I was surprised. Donc, aux États-Unis, on pense que les Français, qu'ils sont rude, mal polis, pas aimables, OK? Mais ce n'est pas le cas. Yeah, it is not. Yeah. It is a rumor. Yeah. Une rumeur. Rumor. Yeah. Yeah. Okay, perfect. Nice. Yeah. Do you mind maybe like rereading the answer? Yep. I was surprised by how friendly the French are. In the US, we think, not me, we think they're rude, but they're not. This is a rumor. Okay. It's a rumor. Alors, US, évidemment, c'est la short form, la forme courte pour United States. Yeah. Donc, j'étais surpris de l'amabilité des Français. Aux États-Unis, on pense, OK? Donc là, vous voyez que le « on » est traduit par « oui ». On pense qu'ils sont peu aimables, mal polis, mais ils ne le sont pas, mais ce n'est pas le cas. C'est un on dit, c'est une rumeur, c'est un stéréotype. Yeah, it's a bad rumor. Yeah, exactly. Okay, thank you very much, Nicole. Let's go to the last one. Okay. Okay. Françoise, donc question de Françoise B. Okay. How is the weather in New Mexico? Mm-hmm. Bad. No, I'm joking. Very hot, actually. So New Mexico is usually always sunny. Okay, donc le Nouveau-Mexique est habituellement toujours ensoleillé. Sometimes in the winter, it can get very cold and even snow. OK, donc parfois en hiver, il peut faire très froid. And you said, sorry? In the winter, it can get very cold. Oh, sorry, and yeah, it can. So my mistake, oh God. I went French on you. Yes, you did. C'est le français qui revient. Parfois en hiver, il peut faire très froid. It can get very cold and even snow. And il peut même neiger. Okay. Yep. It can snow. Okay. Yeah. Donc ça, c'est un verbe ici. Attention, hein, grammaticalement. Snow. C'est évidemment la même orthographe que neige, mais c'est it can. Sorry, it can get. Very cold, mm-hmm. Il peut faire très froid, and it can snow. Il peut neiger. Yeah. Sauf que, and on aurait pu dire, and it can even snow. Mais on va pas le remettre, sinon ça fait une répétition, d'accord? Il est sous-entendu. Attendez, je vais sauter comme ça. Voilà, hop là, nickel. Donc, vous voyez que derrière le vocabulaire se cache toujours la grammaire, derrière la grammaire se cache toujours la syntaxe, c'est-à-dire dans quel ordre on met les mots. Et évidemment, ben, pour utiliser tout ça à l'oral, vous avez besoin de la sacro-sainte prononciation.
Pour cette prononciation, vous avez besoin de savoir où se trouvent les accents toniques, notamment en anglais, savoir comment se prononcent les voyelles. Donc, derrière la prononciation se cache la phonétique, mais pas la phonétique ennuyeuse et ennuyante, la phonétique sympa qui nous permet vraiment de faire les choses pratiquement en anglais. Donc, l'anglais, c'est comme les poupées russes. C'est là où c'est ça peut paraître, jusqu'à cruel, mais c'est là où ça peut être dur, c'est-à-dire que si vous manque quelque chose, eh ben, tout de suite, on va sentir la faiblesse dans votre discours à l'anglais, mais ça, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ça vous montre, un, qu'il faut faire de l'anglais, il faut le penser de manière globale, on ne peut pas faire que de la grammaire, en guillemets, bêtement, ça ne marchera pas. Il faut faire un peu de tout, c'est ce qu'on essaye de faire dans ces sessions. Et bien évidemment, il faut aussi accepter les erreurs et que ça soit dur de temps en temps. C'est normal. Je sais que pour nous, francophones, et encore plus les Français, on a du mal avec ça parce qu'on a l'impression de mal faire les choses, d'être mauvais quand on ne comprend pas tout à 100%. Mais il faut voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide, chers amis. Donc, Nicole, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, relire les trois questions? How is the weather in New Mexico? Okay, and the second one and the first one, if you don't mind. Oh, I'm sorry. No worries. How long have you been teaching? Mm-hmm. What surprised you when you visited France? Mm-hmm. And how is the weather in New Mexico? Okay. Okay. Question one. I have or I've been teaching for 18 years. Question two. I was surprised by how friendly the French are or were. In the U.S., we think they're rude, but they're not. This is a bad, bad, bad rumor. Number three, New Mexico is usually always sunny. Sometimes in the winter, it can get very cold and it can even snow. Okay. Donc, j'enseigne depuis 18 ans. J'étais surpris de l'amabilité, de la gentillesse même des Français. Aux États-Unis, on pense qu'ils sont mal polis, mal élevés, mais ce n'est pas le cas, mais ils ne le sont pas. C'est une mauvaise rumeur. Le Nouveau-Mexique est habituellement toujours ensoleillé, parfois en hiver. Il peut faire très froid et il peut même neiger. Mm-hmm. Neiger. OK. Let's wrap it up. Thank you, Nicole. You're welcome. It's been a pleasure. Likewise. OK. Alors, j'espère que ça vous a plu, chers amis. Mettez-nous votre retour, please. We need some feedback, guys. OK. Yeah. Mettez-nous tout ça dans un commentaire juste en dessous. Et si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite pour être sûr. Vous pouvez même activer, je ne vous le dis jamais, mais la petite cloche pour être sûr de recevoir une notification quand une nouvelle vidéo est publiée. Donc, on se retrouve très vite demain, bien évidemment, pour un nouveau cours dans le seul et unique but de vous permettre d'améliorer votre anglais. That's it. Thank you, Nicole, once again. Thank you very much. Bye, guys. Bye-bye.